Vous avez peur de la perdre ? Ah oui, oui. Il a la boule au ventre. Vous, ça vous inquiète pas ? Ça vous, vous dites, vous préféreriez pas partir ? Non, 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 non. Je vous l'ai dit, j'ai 70 ans. J'ai déjà vécu ça. Je veux rester ici, c'est mon village. Mes vieux jours sont là. Vous le voyez, nous avons posé nos fauteuils dans cette vallée meurtrie où 9 personnes ont trouvé la mort, 9 autres sont toujours portées disparues. On essaiera de comprendre ce que cela signifie de vivre dans une zone rouge à travers l'une de nos enquêtes ce soir. Il faut savoir que 6 Français sur 10 risquent un jour de devoir faire face à un événement climatique qualifié de très grave et 80% de nos communes sont concernées. On vous emmènera dans un autre Saint-Martin, ce petit bout de France des Caraïbes qui ne s'est toujours pas remis du passage de la tempête Irma. L'État avait pourtant consenti d'importants moyens financiers, mais la reconstruction a viré au cauchemar. Certains habitants accusent même un entrepreneur de l'île d'escroquerie. Mais on va commencer cette émission par ces séismes qui n'ont pas été causés par la nature. Ce sont même nos choix industriels qui ont fait vibrer la terre en Alsace. Dans d'autres régions de France, il y a débat. Sommes-nous là aussi en train de jouer aux apprentis sorciers? C'est une enquête de Lorraine Gublin, Lou Cricorian et Karim Manette. 60 ans qu'il vit au pied des Pyrénées, mais c'est la première fois que cet éleveur reçoit une telle visite. Elle veut jouer, hein, et pas peur. Oui. Cette équipe de sismologues a choisi son pré pour y enterrer un matériel de précision que rien ne doit venir perturber. Ouais. Ah, si vous pouvez la mettre là, là. En milieu du champ, ce sera plus ou moins gênant si on passe avec les tracteurs ou tout comme ça. Non. Si vous voulez la mettre là, c'est OK. Ils veulent y enterrer une sonde sismique. À quelques centimètres sous terre, elle doit enregistrer pendant 2 ans les mouvements du sol. Encore un peu moins. Ramène un poil. Car ici, la terre tremble régulièrement. Vous en ressentez souvent des séismes ici ? Une fois, deux fois par an à peu près. Et ça se coupe comment ? Moyennement, ça c'est madame. Elle note beaucoup plus que moi. Certains séismes s'expliquent par les mouvements naturels de la terre sous les Pyrénées. Mais ceux que ces scientifiques veulent surveiller ont une toute autre origine. C'est l'activité du site industriel de Lac qui fait aussi trembler ce coin du Béarn depuis plus de 50 ans. L'usine de Lac, cet ensemble industriel qui sera l'un des plus importants et des plus modernes d'Europe. 20 millions de mètres cubes de gaz brut par jour. L'heure de Lac, nouvelle richesse française, va sonner. Ici, on a extrait des centaines de millions de mètres cubes de gaz jusqu'en 2013. Aujourd'hui, ce sont des millions de litres d'eau usée, générés par les industries alentour, qui continuent d'être injectées en profondeur. À Lac, voici tous les séismes que l'homme a provoqués en un demi-siècle. Oui, alors c'est ça. Donc ça, c'est tous ceux qui sont de supérieure magnitude à 2. Et ça, c'est tous les séismes qu'il y a eu à Lac, même les petits. On n'a pas ressenti tout ça, hein. Non. Sur 50 ans, on a enregistré à peu près 2500 séismes. Et c'est quelque chose qu'on n'observe pas simplement à Lac, hein, mais partout sur Terre, toute exploitation d'hydrocarbures, toute activité géothermique, toute activité de stockage de CO2 ou de n'importe quel autre fluide, du moment qu'on injecte ou qu'on déplète un fluide, potentiellement, ça peut générer des séismes. Si à Lac, ces séismes n'ont jamais provoqué de dégâts majeurs, ailleurs dans le monde, ils ont pu être synonymes de catastrophes. Aux États-Unis, l'injection en profondeur d'eau polluée issue de l'industrie pétrolière a fait de l'Oklahoma un état plus sismique que la Californie. En 2008, le remplissage d'un barrage en Chine est soupçonné par certains scientifiques d'avoir déclenché l'un des séismes les plus meurtriers du pays. 80 000 morts. Aux Pays-Bas, face à la colère des habitants lassés de voir leur maison trembler, le gouvernement annonce la fin de l'exploitation d'un des plus grands gisements de gaz naturel d'Europe. Oh,
Tout se décompose. Notre patrimoine, nos fermes, nos églises et les gens aussi. En Corée du Sud, une centrale de géothermie profonde est à l'origine d'un séisme de magnitude 5,4 sur l'échelle de Richter. La géothermie profonde, une technologie qui a fait trembler l'Est de la France en décembre dernier. D'abord ce tremblement de terre donc ce matin dans la région de Strasbourg. Un séisme juste avant 7h du matin, 3,5 sur l'échelle de Richter. Depuis ce matin, le standard explose véritablement depuis 7h. Vous l'avez ressenti vous aussi cette secousse? Un gros boom, comme un camion qui traverse la rue. Vous avez eu peur, Christiane? Oui, très. Ça tapait dans le fond mais... Et les murs qui tremblaient, incroyable. Bonjour Nathalie. J'ai vraiment peur que ce soit la géothermie profonde. J'aimerais pas qu'ils attendent qu'une maison s'écroule pour intervenir. J'en ai la voix qui tremble parce que j'ai vraiment eu très très peur. 6h59, le 4 décembre dernier, la région de Strasbourg est brutalement réveillée. Ces deux journalistes ont vécu le séisme en direct à l'antenne. Là c'est le début, là ça tremble, et là on réveille. Ça a tremblé. Voilà, tu vois, je regarde par terre, ça a tremblé. La sensation que j'ai, c'est vraiment le sol. Tout de suite, je regarde spontanément le sol, et j'ai comme l'impression qu'il bouge, et comme si des parois, si vous voulez, s'enfoncent vers le sol, quoi. Comme si le sol se dérobe sous mes pieds, en fait. Les secousses ont été ressenties partout, et en fait, ce qui a, je pense, beaucoup surpris, choqué, c'est que c'était la plus significative de ces dernières semaines. C'est-à-dire qu'il y avait eu des secousses avant. Ouais. Certains auditeurs nous avaient appelés pour nous dire ça a tremblé du côté de Vendenheim, mais les secousses étaient pas aussi violente que celle qu'on a ressentie ce 4 décembre. La cause de ce séisme, cette centrale de géothermie profonde, construite par la société Fonroche, à une dizaine de kilomètres au nord de Strasbourg. Michel Canengizer est maire de la Vendzeno. C'est dans sa commune que le séisme a été le plus violemment ressenti. Alors, l'épicentre est à 6 km sous terre, évidemment. Là, sous nos pieds. Et c'est sous nos pieds, donc vous voyez la proximité de la zone d'habitat. Donc Fonroche a été autorisé à exploiter, à condition de ne pas dépasser une sismicité de 2 lors de la mise en route. Or là, systématiquement, on a dépassé 2, et de surcroît, on est arrivé jusqu'à une magnitude de 3,5, ce qui est très important quand même. On ne peut pas aujourd'hui exposer la population à de tels risques. Les gens sont dans une anxiété qu'on a du mal aujourd'hui encore à apaiser. Dès le lendemain du séisme, 400 riverains ont déclaré des sinistres. Là, ça démarre en haut de la fenêtre. Sa dose descend. Ici, vous en avez 2, d'ailleurs une belle grande. Elle descend dans la fondation jusqu'en bas. Jean-Georges Léninger affirme que le séisme a fissuré sa maison. Et celle-ci, elle est différente parce que... Cet Alsacien entend bien être indemnisé par Fonroche. Et puis on en a une belle, toute belle là-haut. Une expertise est en cours. Elle est impressionnante. Très large. Elle est au-dessus de la dalle, hein, donc ça veut dire que c'est la charpente qui a vraiment... Qui a poussé des efforts, le mur. Quoi. Oui, oui. C'est quand même très embêtant. Vous avez construit une maison, vous voulez avoir une valeur immobilière intéressante, et après vous vous retrouvez avec une maison lézardée, dans tous les sens, sur les quatre côtés. C'est pas très très réjouissant. Hein. La centrale géothermique devait fournir 26 000 logements en chauffage et au moins 15 000 foyers en électricité. Donc voilà, il y a une fissure qui est apparue au niveau du plafond. Mais cette énergie renouvelable, ce voisin du site ne veut plus en entendre parler. Pour moi, c'est juste pas possible parce que c'est pas de l'ordre naturel, c'est de l'humain. Alors moi, je suis très écolo dans l'âme et je respecte la nature. Par contre, dès qu'on commence à jouer avec, même si c'est pour produire de l'énergie propre, hein, je pense qu'il faut arrêter et trouver d'autres solutions, clairement. Est-ce que on doit payer ce prix-là pour arriver à finalement donner de la chaleur pour 26 000 logements? Alors, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Voilà la bonne question. Face au risque et à l'inquiétude de la population, la préfète a ordonné l'arrêt définitif de la centrale et suspendu 3 projets similaires dans le département. L'heure n'est pas à la poursuite des projets qui sont déposés tant qu'on n'aura pas de meilleure connaissance du risque et de garantie surtout de la maîtrise du risque. Depuis,
Une enquête administrative a relevé deux anomalies dans le fonctionnement de la centrale. Selon la préfecture, l'exploitant a notamment creusé plus profondément que prévu. Des conclusions contestées par Fonroche, qui affirme avoir respecté les consignes fixées par l'État. En revanche, Jean-Philippe Soulet, le directeur du site, on va aller voir les têtes de puits, reconnaît bien la responsabilité de la centrale dans le séisme de décembre. Le problème vient d'un de ces tuyaux. On voit le puits producteur et là-bas le puits injecteur. Ces deux puits plongent à 5 km sous terre. L'un puise une eau à 200 degrés qui circule dans les failles du sous-sol alsacien. Sa chaleur sert à produire de l'énergie. L'eau refroidie est ensuite réinjectée en profondeur. C'est à proximité de ce puits d'injection que le séisme du 4 décembre s'est produit. En géothermie, c'est connu, le risque sismique existe. Mais le directeur admet qu'il n'avait pas anticipé un tel événement, malgré 10 ans de travail sur ce projet. Le 3.5 qu'on a eu l'autre jour n'était pas prévisible. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun calcul qui nous a amené à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut dire que vous aviez une méconnaissance du sol à cet endroit-là? Oui, on a toujours une méconnaissance du sol dans ces métiers-là. On ne peut pas avoir une connaissance parfaite. Donc, on travaille toujours avec une maille de connaissances. De toute façon, aujourd'hui, il faut absolument comprendre ce qui s'est passé. Pour vous, on aurait pu suspendre, faire des recherches et reprendre le projet? Ou vous êtes d'accord qu'il fallait l'arrêter? Il y a toujours des solutions à tout. Il faut du temps pour trouver des solutions. Aujourd'hui, on ne les a pas, les solutions. Aujourd'hui, on ne sait pas se prononcer. C'est pour ça qu'on ne réagit pas par rapport à ça. Par contre, ce qu'on fait, c'est que nous, on travaille pour comprendre. Comprendre pour mieux défendre sa technologie. Fonroche a investi près de 100 millions d'euros ici et entend poursuivre ses 7 autres projets en France. À Strasbourg, le rôle de la centrale n'est plus contesté. Mais pour d'autres séismes, la responsabilité de l'activité humaine pose encore question. En Ardèche, depuis un peu plus d'un an, le quotidien de Marita et Guy tient dans 24 mètres carrés la taille de ce mobil-home. C'est leur deuxième hiver dans ces conditions. Ici, je suis venu mettre des panneaux d'isolant qui permettent de faire en sorte qu'il n'y ait pas du vent qui s'engouffre dessous. Pour les fenêtres qui n'étaient pas très bien isolées, j'ai mis des plaques. Ça a permis de faire un peu plus d'isolant. Le dernier était rude. Oh, pas trop, pas trop. Il a été clément avec nous. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Voilà, on avait déjà le tremblement de terre, donc on ne pouvait pas avoir froid tout de suite. Ces deux retraités sont obligés de camper depuis qu'un séisme les a forcés à quitter leur maison. Aujourd'hui, trop dangereuse pour y vivre. Voilà, voilà. Un peu de maison cassée. Ça part d'en bas. Et puis, il y en a en haut. Ça suit des lignes comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça. Un peu partout. Le tremblement de terre de magnitude 5 sur l'échelle de Richter a ébranlé toute la structure de la bâtisse. La cheminée, ça c'est particulier, voilà. Elle a... Ça saute, ça s'ouvre et ça se repose. Ici, le mur a bougé complètement, mais à mon avis, il est parti dans ce sens. Moi, j'étais ici, ça c'était notre bureau. Et d'un seul coup, on a entendu une grosse explosion. On a senti quelque chose qui venait du sol et qui remontait. On s'est senti soulevé, oui. Oui, oui, si, on s'est senti soulevé. Et là, c'est totalement animal. On sort et puis on part en courant, quoi. On sait où se trouve la porte de sortie, on n'a pas besoin de la chercher. Dans la tête, c'est fixe. La terre a tremblé intensément en Ardèche et dans la Drôme peu avant midi. Nous irons au Teil où des bâtiments ont été évacués et des gymnases mis à la disposition de leurs habitants. Le 11 novembre 2019, le séisme le plus fort qu'ait connu la France métropolitaine en 50 ans
frappe ces petites communes d'Ardèche. La plus touchée, Le Teil. 4 blessés, des dégâts considérables et des inquiétudes. Le séisme s'est produit à proximité de la centrale nucléaire de Cruas. Depuis, de nombreux scientifiques auscultent la faille qui a rompu lors du séisme. Ce qu'on peut déjà mesurer, c'est la totalité, là. Notamment les experts de la sécurité nucléaire. La longueur de l'indice. Sous cette route, la faille de la Rouvière. 3,50. Les scientifiques l'avaient répertoriée, mais la pensaient inactive. Donc on voit le soulèvement de cette partie-là qui est au sud-est, qui vient en fait, qui est plus haut que cette partie-là qui est au nord-ouest. Et en fait, il y a eu un chevauchement. C'est comme si mes gants faisaient ça. C'est la première fois qu'on voit une rupture de surface associée à un tremblement de terre. Et les séismes en France, statistiquement, se produisent à une profondeur telle que, en fait, la rupture qu'elles engendrent ne monte pas jusqu'en surface. Là, pour la première fois, du fait de la superficialité du foyer, autour d'un kilomètre, la rupture est venue casser la surface, non seulement la casser, la déplacer. Le foyer du séisme se trouve à environ 1 km seulement sous terre, presque en dessous de cette carrière du cimentier Lafarge. Une question a alors surgi rapidement dans la communauté scientifique. Cette carrière exploitée depuis près de 2 siècles a-t-elle pu déclencher le séisme ? À Nice, une équipe de chercheurs se penche sur la question depuis plus d'un an. C'est la carrière, projet Cruas, c'est ça ? C'est Jeremy. Ils ont modélisé l'évolution de la carrière depuis 1833 et calculé le volume de roches extraites. Donc la carrière se trouve dans cette zone-là. On voit un peu d'activité qui se développe du côté... Dans leur publication, ils concluent que la carrière pourrait être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Là, dans cette période de temps, c'est à peu près 80 millions de tonnes extraites. On a enlevé de la masse de la carrière, ça a enlevé du poids sur la faille, donc moins de résistance, et cela facilite le glissement de la faille. On peut conclure que cette carrière a eu un effet déclencheur pour ce séisme. Après, est-ce que les forces induites par la carrière arrivent à expliquer que ce séisme ait grandi jusqu'à un magnitude 5 ? Là, non, je ne pense pas. Ces forces ne sont pas suffisantes pour que le séisme pousse jusqu'à un magnitude 5. Il a dû puiser dans de l'énergie qui existait déjà. Donc, de façon naturelle, ce séisme aurait pu se produire, mais peut-être dans très très longtemps. C'est-à-dire, c'est quoi très très longtemps ? Très très longtemps, ça peut être dans 10 000 ans, dans 20 000 ans. La carrière a eu sans doute ce effet d'avancer l'occurrence du séisme. Lafarge n'a pas souhaité nous accorder d'interview et rappelle que le débat scientifique n'est pas tranché. D'autres experts, sollicités par le cimentier, ont une autre hypothèse. Les épisodes pluvieux avant le séisme pourraient avoir joué un rôle plus important que la carrière dans son déclenchement. Depuis, pour rassurer la population, Lafarge a réduit la puissance de ses tirs dans la carrière. Ce qui n'empêche pas Marita et Guy de penser sans cesse au tremblement de terre. Je pense que ce qui a changé pour nous, dans nos têtes, c'est que le risque tremblement de terre, il est dans nos têtes et il est à prendre en compte dans tout ce qu'on pense, tout ce qu'on imagine, tout ce qu'on envisage et tout ce qu'on décide, tout ce qu'on décidera et tout ce qu'on fera derrière. Donc ça a changé, ça a basculé complètement dans nos têtes, dans nos vies. Dans leur tête reste une question. Pourront-ils un jour retrouver leur maison et déménager leurs affaires stockées dans ce préfabriqué ? Un préfabriqué que le cimentier leur a gentiment prêté. Et l'on se retrouve sur les hauteurs de Nice, juste à côté de l'Observatoire de la Côte d'Azur. C'est là que vous travaillez, Madame Courboulex. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, sismologue, et avec vous, on va essayer de comprendre quelle est la part de responsabilité de l'homme. Au Teil, l'action de l'homme semble avoir réveillé une zone sismique naturelle.
Et certains de vos confrères disent que ça rebat les cartes de la prévision sismique. Alors les prévisions sismiques, il faut d'abord savoir que les séismes, on ne sait pas les prévoir dans le temps. Hein, parce que prévoir un séisme, ça veut dire à quelle date, à quel endroit et quelle magnitude on va avoir, quelle magnitude on va avoir, donc quelle taille. Donc ça, on ne sait pas le faire. Hein. Mm-hmm. On ne sait pas le faire sur les séismes naturels non plus. Donc sur les séismes causés par l'homme, effectivement, on fait face à un problème nouveau là avec les carrières. Quand on parle de l'exploitation de gaz de schiste, de géothermie, etc., ça c'est un phénomène qui était connu. Mm-hmm. Mais on avoue que le séisme du Teil nous a surpris. Oui, parce qu'au Teil, il y a cette idée qu'on a réveillé une zone sismique naturelle et que c'est ça qui a inquiété. Voilà, il faut faire attention parce que c'est vraiment une étude qui est en cours. Oui. Hein. C'est quelque chose d'assez nouveau. Alors, c'est un phénomène. Pas de certitude. Voilà, on n'a pas de certitude. Par contre, on a des mesures qui montre bien que la masse qui a été retirée a changé la contrainte, donc le poids sur cette carrière, et forcément a dû déstabiliser le sous-sol. Donc certainement que ça a fait que l'événement sismique est arrivé plus tôt. Est-ce que, par exemple, il faut mettre fin à la géothermie, comme on l'a vu à Strasbourg ? Là, effectivement, on comprend très bien qu'à Strasbourg, les populations étaient totalement effrayées par ce qui s'est passé, parce que le champ géothermique est très proche de la ville de Strasbourg déjà, et que donc ils ont été branlés par des secousses. Ça, c'est effectivement pas supportable. Là à dire qu'il faut complètement arrêter, il y a peut-être une demi-mesure. Hein. Alors, quelle serait la préconisation idéale ? Je pense que ce qui est vraiment important, c'est d'avoir le plus possible de suivi de ce qui se passe. Avec plus de capteurs. Avoir des capteurs et des données ouvertes. Parce que ces capteurs vous permettent de mesurer en temps réel et aussi un petit peu de deviner, de savoir comment la Terre bouge. Alors, deviner, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, le suivi de toutes ces exploitations est extrêmement important, parce qu'on le sait, hein, que chaque fois qu'il y a une injection d'eau ou de gaz en profondeur, on sait que ça réveille ou ça cause des séismes. Donc, en Oklahoma, vous l'avez bien expliqué. C'est ce que j'allais vous dire, l'extraction de gaz de schiste et l'injection d'eau aussi réveillent, on l'a vu aux États-Unis, la Terre, et ça a provoqué des tremblements très importants là-bas. Tout à fait. Donc on le sait très bien. Ça, c'est quelque part, bon, c'est pas l'avantage, mais par rapport à la sismicité naturelle, on sait très bien que quand on va injecter de l'eau en profondeur, on a ce risque. Mais par contre, les études montrent qu'il y a un impact énorme du type d'injection qui est faite, du type de roche aussi. Donc des études peuvent limiter les dégâts. On est ici dans une zone sismique qui tremble régulièrement. Le grand public ne le sait pas forcément. Quelles sont les zones sismiques en France ? Donc les zones sismiques principales, c'est les Pyrénées, les Alpes, et les Alpes jusqu'aux Alpes-Maritimes. Hein. Dans une moindre mesure, le Fossé Rhénan et la partie ouest aussi de la France. Alors on doit souvent vous poser la question, est-ce qu'il y a un risque un jour d'un tremblement de terre majeur en France ? Alors oui, il y a un risque d'avoir un tremblement de terre important. Alors on imagine qu'on ne pourra pas avoir un séisme de magnitude 8 ou 9, tout simplement parce que le déplacement des plaques tectoniques n'est pas assez important, mais pas assez rapide. D'accord. Donc on ne se compare pas du tout au Japon ou à la Californie. Mais par contre, on sait qu'on a eu dans le passé des séismes de magnitude supérieure à 6. Et donc on sait que s'ils ont lieu, ils feront des dégâts considérables. Étant donné que, par exemple, la Côte d'Azur est extrêmement peuplée, la densité de population est importante, il y a plus de 1,5 million d'habitants dans la métropole, on sait qu'il y aura des conséquences importantes. On les a modélisés, ces risques-là, notamment dans une ville comme Nice, où vous le dites, elle est très dense, mais aussi équipée d'un bâti qui est quand même assez ancien. Alors, comme quasiment toutes les villes en France, il y a moins de 20% du bâti qui est construit aux normes parasismiques, tout simplement parce que les normes parasismiques, elles sont assez récentes. Elles sont appliquées depuis 1995 à peu près. Donc tout le bâti qui est plus ancien n'est pas construit en parasismique. Ça veut dire que nos sociétés ne prennent pas suffisamment conscience du danger. Ce danger, il existe. On sait qu'il faut faire plus. Donc il y a des préconisations, par exemple pour renforcer les bâtiments qui vont recevoir du public, pour renforcer les ponts qui sont nécessaires à la gestion de la post-crise, les hôpitaux, etc. Donc il faut avancer là-dedans. Même si ça va doucement, il faut commencer. Hein. C'est quelque chose qui coûte cher, mais ça en vaut le coup. C'est peut-être dû au fait qu'on n'a pas conscience qu'en France, on soit un pays à risque. Et lorsqu'on parle de tremblement de terre, on pense plus facilement à Mexico ou à certains pays d'Asie, notamment le Japon. Mais ça veut dire qu'il faut quand même
un petit peu être sensibilisé à tout ça. Effectivement, oui, il faut être sensibilisé à tout ça. Mais il ne faut pas non plus nous comparer au Japon. Hein. Et même pas à l'Italie, à la Grèce ou à la Turquie qui ont une sismicité bien plus forte que la nôtre. Mais il ne faut pas l'oublier quand même, parce que le jour où ça arrivera, ça risque d'être catastrophique. Merci beaucoup Françoise Corboulex d'avoir accepté notre invitation. Alors on va reprendre le chemin de Saint-Martin-Vésubie où l'État et la municipalité avaient déclaré la zone inconstructible dès 2014. Mais on va voir dans cette enquête que déclarer une zone dangereuse ne suffit pas toujours. La plupart du temps, les gens veulent rester même s'il y a un risque. Il faut savoir que 15% des 35 000 communes françaises risquent une inondation ou une vague submersion. L'enquête est signée Julien Cholin, Annie Triboire et Michel Pignard. Avant la catastrophe, Adélaïde vivait ici. Un terrain en bordure d'une rivière d'ordinaire paisible. La Vésubie. Jusqu'au 2 octobre dernier. Ce jour-là, l'eau s'empare de sa maison, qui finit par s'écrouler sous la pression du courant. Sa vie balayé en quelques minutes. Donc là, au niveau de la souche qui est là par terre, là, c'était grosso modo la cuisine. Après, de l'autre côté, on avait le salon. Au niveau du, je dirais, du gros caillou blanc, là, c'était le bureau. Il reste plus rien. Plus rien, rien du tout. Si j'avais fait deux, trois choses différemment, bah, on n'aurait peut-être pas eu le temps de s'échapper de la maison, on n'aurait peut-être pas eu le temps de sortir ma mère, ma soeur, le petit, enfin... Et à un moment donné, j'ai vraiment pris conscience que ouais, le risque, c'était de mourir. De l'imposante maison, il ne reste que quelques photos souvenirs. La famille d'Adélaïde s'était installée ici il y a 4 ans. Un grand terrain à une centaine de mètres de la rivière. Jamais elle n'avait cru au danger, ni aux mises en garde des autorités. On en a souvent eu sur le téléphone des « attention, vous êtes en alerte orange inondation ». Donc c'est devenu un peu... On s'est dit, bon, bah, on nous prévient au cas où, mais enfin, il n'y a aucune chance que ça se produise, quoi. On dirait pas quand on la voit comme ça, la Vésubie. Si on avait conscience qu'un tel événement avait pu se produire, on ne se serait pas installé là en premier lieu. Le sang-froid d'Adélaïde a permis à sa famille d'échapper au pire. Leurs voisins, eux, n'ont pas eu cette chance. Piégés par la montée des eaux, sous le regard impuissant des secours. Leur histoire a bouleversé le pays, celle d'un couple de retraités, retranchés dans leur petite maison qu'ils auraient refusé de quitter, avant d'être emportés par le courant. Les jours qui ont suivi, 9 corps ont été retrouvés. 9 autres personnes sont toujours officiellement portées disparues. En une nuit, l'eau a déchiré le paysage, ravagé les habitations. Certaines épargnées de justesse semblent ne tenir qu'à un fil. Comme en équilibre, à la merci des prochains orages. Pour leurs propriétaires, le combat contre l'eau ne fait que commencer. Fais attention hein, quand même. Hein. T'es sûr que ça marche comme ça? Ah ben. Hugo et Fabienne refusent de baisser les bras. De simples bâches pour protéger les fondations de la pluie, une solution dérisoire. Mais c'est tout ce qu'ils ont trouvé pour essayer de sauver leur maison de famille. Vous avez peur de la perdre? Ah oui, oui. Il a la boule au ventre. Vous, ça vous inquiète pas? Ça vous préféreriez pas partir? Non. Je vous l'ai dit, j'ai 70 ans. J'ai déjà vécu ça. Je veux rester ici, c'est mon village. Mes vieux jours sont là. Je ne sais plus quoi dire là. Comme eux, des dizaines de familles restent suspendues aux décisions des autorités qui s'interrogent. Faut-il reconstruire ou bien tout détruire
et forcer les gens à partir. Alors, vous voyez ici les dégâts qui ont été causés. Ouais. Vous voyez, ça, c'est un reste de la conduite. Mais c'était bien, oui. Un homme sera chargé de trancher. Un préfet à la reconstruction des vallées, nommé par Emmanuel Macron. On va avoir demain une reconstruction, et c'est le souhait du président de la République, qui doit être résiliente et durable. C'est-à-dire qu'il faut d'abord veiller à la sécurité des habitants, à la sécurité des activités pour demain, et donc on ne reconstruira pas à l'identique. Il y a des habitations qui étaient quasiment aujourd'hui dans le lit majeur de la rivière, quoi. Donc on ne reconstruira pas ces maisons, c'est évident. Car depuis quelques années, un phénomène météo préoccupe les autorités. Ces tempêtes qui frappent presque chaque automne le sud de la France. Alors, le ciel méditerranéen est-il réellement plus dangereux qu'il y a un siècle ? Météo France s'est penchée sur la question. Et pour la première fois, ces scientifiques l'affirment, le climat de la région a bel et bien changé. Les événements méditerranéens les plus intenses, par exemple au-dessus de 200 mm en 24 heures, sont devenus deux fois plus fréquents aujourd'hui que dans les années 60. Donc ça fait des tendances qui sont relativement importantes, qui sont détectées, qui sont statistiquement fiables et auxquelles on peut avoir confiance. Deux fois plus de tempêtes qu'avant et des épisodes plus intenses. Plus dangereux. Et l'homme n'y serait pas pour rien. On a détecté une augmentation de l'intensité de ces phénomènes, de l'ordre de plus de 20% depuis les années 60. Et ça, on est capable de le lier au réchauffement de la région, qui est de l'ordre de 1 degré, un peu plus d'un degré aujourd'hui. Mais il y a une explication physique qui tient bien la route et qui dit assez simplement qu'une atmosphère plus chaude peut contenir plus d'humidité, c'est-à-dire plus d'eau sous forme vapeur. Et ensuite, quand les conditions météorologiques sont adéquates pour qu'il pleuve fort, pour qu'il y ait des orages intenses, alors il pleut plus fort parce que l'atmosphère contient plus d'humidité qui peut se condenser, faire des nuages plus gros et puis des les pluies plus intenses. Oh, regarde Octobre 2015, la Côte d'Azur est frappée de plein fouet. Les dégâts sont considérables. 20 personnes perdent la vie. Parmi les communes les plus touchées, le village de Biotte, près d'Antibes. Un lot en 2015, lors d'inondation, elle est arrivée à ce niveau ici. On a été inondé en 2006, on a été inondé en 2011, en 2015 et deux fois en 2019. Donc cinq fois ? Cinq fois inondé en 20 ans. En 20 ans. Avant, c'était se passer tous les 5 ans, maintenant c'est toutes les années, voire tous les 2 ans. C'est pour ça qu'on se fait énormément de soucis pour l'avenir. Le quartier de Denis a été l'un des premiers à Biotte classé zone rouge. Plus question de construire, il doit aussi faire face aux galères d'assurance. Et surtout, sa belle maison avec vue sur le vieux village a vu sa valeur s'écrouler. C'est une maison qui pourrait se situer entre 1 250 000 et 1 480 000 euros. Traumatisé, le couple voudrait bien déménager. Impossible. On a essayé depuis 2015 soit de la mettre en vente, aucune demande, et on a essayé de la louer. La location, dès que les gens disent on est en zone rouge, ils ne veulent pas prendre le risque de venir habiter en tant que locataire dans une zone rouge. Si aujourd'hui on veut partir et habiter ailleurs dans le même style de maison, c'est impossible. Il faudrait que je reprenne 20 voire 30 ans de crédit pour avoir le même style de maison. Bientôt, il pourrait être des centaines à Biotte comme Denis. Car jusqu'ici, la zone rouge ne concernait que les abords des cours d'eau. Mais 5 ans après le drame de 2015, plus de 300 parcelles vont virer elles aussi au rouge. Une mesure de protection que ne comprennent pas toujours les habitants reçus en mairie. Moi, je veux des explications. Pourquoi ? Voilà. Oui, oui. D'accord. Pourquoi ? Voilà. Parce que c'est un terrain où le lendemain, je suis allé, il n'y avait rien oui, du tout. Il n'y avait même pas une planche, il n'y avait rien sur mon terrain. Oui.
Je suis en rouge, ah oui, donc d'accord. Je ne comprends pas. On était rouge, on est passé en bleu, on est repassé en rouge, ouais. C'est ça. C'est un truc de, oui, de techno, enfin je sais pas, de bureaucrate, de je sais pas quoi. Je suis en zone rouge à partir de là. Alors je voudrais comprendre parce que je ne comprends pas pourquoi. Ce jour-là, le plan conçu en préfecture est présenté aux habitants. On se presse pour savoir si sa parcelle est concernée par les nouvelles zones. Donc en effet, la bande là, où elle est en zone rouge. Hein. D'accord. Bon, rien du tout. Et vous vous interrogez... Cette permanence, c'est un peu leur dernière chance de contester un passage en zone rouge. Bonne journée. Merci. Merci. Vous aussi, au revoir. Le cauchemar de ses propriétaires. Votre maison ne vaudra plus ce qu'elle valait, ça c'est certain. On ne peut plus reconstruire là. Il n'y a plus de zone constructible là. C'est trop facile maintenant de tirer en rouge tout le monde et de mettre tout le monde en rouge. Pourquoi ? Parce que nous avons acheté des permis en bonne et due forme. Jamais nous avons construit sans un permis ou quoi. Ah, l'État, il se met, vous êtes en zone rouge, parapluie, parasol, tout le monde est couvert. Mais nous, on reste sur les lieux. Les pouvoirs publics... Pour comprendre cette colère, nous avons suivi l'un de ses propriétaires. Nicolas Racano a tenu à nous montrer sa parcelle. Ça, c'est une partie du terrain. Et l'autre partie est là. Un terrain situé à une centaine de mètres du fleuve. Constructible jusqu'à ce qu'il soit classé rouge pour sa plus grande partie. Partout où l'eau aurait dépassé un mètre il y a 5 ans. Un choix absurde aux yeux du propriétaire. Donc là, je suis à la limite entre le rouge qui est là et le bleu qui est là. D'accord ? Donc ça veut dire qu'à un moment donné, ils ont défini un trait artificiel. Et je ne comprends pas, c'est le même niveau. Pourquoi on dit que là, cette partie-là, elle est en rouge inconstructible, et cette partie-là, en bleu, constructible ? Il y a un problème. Donc moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi, alors que tout le reste ici, c'est tout en bleu. Un tel terrain avec vue sur le vieux village se négocierait plus de 600 000 euros, selon lui. Devenu inconstructible, il ne vaudrait plus grand-chose. C'est un trait qui me coûte 600 000 euros. Voilà. Pas à moi, à mes enfants. On peut pas construire. Car Nicolas Racano voulait bâtir ici deux logements pour son fils et sa fille. Voilà. De base, on aurait dû construire deux maisons jumelées ici sur cette partie-là. Derrière, il y aurait eu un grand portail pour qu'on puisse garer les véhicules. Et à l'avant, on aurait pu construire du coup une petite terrasse avec un jardin familial, tout simplement. L'idée, c'est de vous protéger, d'empêcher de construire de nouveaux bâtiments. Oui, bah très bien, mais je pense qu'à ce moment-là, si c'est pour nous empêcher de construire nous, à ce moment-là, il faut dire aussi aux autres de ne pas rester dans leurs maisons qui ont déjà été construites. Nous, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est bâtir pour nous. Et après, c'est à nous de décider si on veut vivre ici ou pas, tout simplement. Mais nous, on fait le choix de vouloir bâtir. Donc après, nous, on ne comprend pas l'interdiction, parce que dans ce cas, bah, tout le monde devrait partir, quoi. On peut pas construire sur cette partie. Si l'État refuse que de nouvelles maisons soient construites ici, c'est parce qu'il a déjà dû mettre la main à la poche pour reloger des dizaines d'habitants. Bienvenue dans la zone noire de Biot. Ici, interdiction d'habiter. La vie semble s'être arrêtée net. 24 familles vivaient ici avant de quitter les lieux il y a quelques semaines, laissant derrière eux quelques objets personnels et les souvenirs des années passées entre ces murs. Des logements bâtis à la fin des années 90 sur la trajectoire du fleuve. Ici avant, c'était le fleuve. Alors ici avant, c'était le fleuve et demain, ça sera le fleuve. Mais comment ça se fait qu'on ait construit un lotissement dans un fleuve ? À cette époque-là, on construisait en bonne et due forme, on signait des permis sans irrégularité, mais c'est vrai qu'on a bousculé la nature. Jamais on aurait dû gagner sur le fleuve. Et c'est pour ça que ces erreurs, j'entends bien qu'on puisse les réparer le plus rapidement possible. Pour pouvoir raser ces logements, Jean-Pierre Dermite, le maire de Biot, les a rachetés au prix fort, grâce au fonds Barnier, une cagnotte à laquelle nous contribuons tous
via des prélèvements sur nos contrats d'assurance et qui financent l'acquisition de maisons exposées aux risques naturels. Chaque propriétaire a été indemnisé comme si le lieu n'était pas dangereux. Ça coûte combien ? Ça coûte cher. Avec la démolition et puis aussi les travaux de mise en sécurité, on est entre 13 et 14 millions d'euros. Donc au final, c'est quand même le contribuable qui paye. Ah, au final, c'est le contribuable qui paye, c'est clair. Chaque année, le fonds Barnier peut dépenser jusqu'à 200 millions d'euros pour racheter des logements. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Car malgré les drames, certains continuent de construire en zone inondable. Sainte-Maxime, dans le Var. Ici, il y a 2 ans, les fortes pluies avaient fait 2 victimes, retrouvées mortes dans leur voiture. Le courant a emporté le véhicule jusqu'ici, à l'embouchure de la Garonnette, une rivière d'ordinaire paisible, mais qui s'est transformée hier soir en torrent. Tout s'est bouché, tout est passé par-dessus la route. La tragédie n'a pourtant pas dissuadé un promoteur de la région de mener à bien son projet. À quelques mètres du fameux pont, une villa vient de sortir de terre. En tout, 6 maisons familiales vont être construites sur ce terrain, vendues entre 600 000 et 740 000 euros, piscine privée comprise. Un projet immobilier qui a surpris ce voisin. Installé ici depuis plus de 50 ans, il a vu plus d'une fois l'eau inonder ce terrain. Ouais, j'ai vu 3 fois. L'eau, combien elle pouvait faire ? Il y avait au moins 5 mètres d'eau là. Voilà. Alors, hein, moi je l'ai vu. Bon, après. Et si je voulais acheter, vous me donneriez quel conseil ? Quel conseil ? Prendre un beau bateau. Mais moi, je n'habiterai pas. Voilà. Pour moi, même s'il me la donne, je ne veux pas. Je ne veux pas. Moi ? Ah non. Nous avons retrouvé des images tournées au lendemain de la crue, il y a 2 ans. L'eau a bien traversé le terrain ici à gauche. Alors, comment peut-on encore construire sur une zone inondable ? Annie, bonjour. Ma marraine est co-investisseuse. Pour en savoir plus, nous nous sommes fait passer pour des acheteurs. La rencontre est tournée en caméra cachée. Face à nous, le promoteur nous présente son projet. Les maisons, c'est plutôt rare. Hop, pardon. Salle de bain. D'accord. WC. La chambre, elle doit faire 12 mètres carrés. Ouais. Enfin, c'est des maisons de, on va dire, 130 mètres carrés. Et là, on voit la mer aussi. Puis il tâche de répondre à nos inquiétudes. C'est bien réparti. Ouais. On est très près de la rivière. Vous êtes à 4-5 mètres. À 4-5 mètres de la rivière. Et du coup, il y a un risque d'inondation ou pas ? Non. Enfin, le risque zéro, ça n'existe pas. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a jamais eu d'inondation sur ce terrain. Voilà. L'agent affirme que son terrain n'a jamais été inondé. C'est faux. Mais s'il a tout de même pu obtenir son permis de construire, c'est parce qu'il aurait tenu compte du risque de crue. La voiture rouge, là, mettons qu'elle soit à ce niveau-là. Donc nous, nos maisons, elles sont toutes construites 20 cm au-dessus de la crue centennale. D'accord. Donc il n'y a pas de risque d'inondation. Pour vous rassurer, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un permis de construire. Donc le mairie ne délivre pas des permis de construire comme ça. Donc c'est qu'on a respecté toutes les recommandations qu'ils nous ont demandées. On aurait pu nous dire on vous retire votre permis suite à ce qui s'est passé ces dernières années, c'est dangereux. Bref, je veux dire, c'est non, on a un permis. Fois délivré, impossible de retirer un permis.
c'est sûr, on a donné le permis. Donc il était, au moment où on l'a donné, bien en adéquation avec la réglementation de l'époque, qui en termes d'inondation n'existait pas sur ce petit cours d'eau. Il s'avère que quelques mois après, le terrain a été inondé et que donc j'avais connaissance d'un risque a posteriori de la délivrance. Une fois qu'un danger est identifié, on ne peut plus rien faire. Non, vous avez 3 mois pour le faire. Au-delà, le permis est considéré comme acquis. Donc aujourd'hui, le terrain est reconnu à risque. Des personnes vont aménager dessus. Mais ni l'État, ni vous, en tant que maire, vous ne pouvez arrêter le projet. Ah non. Légalement, le permis a été obtenu. Il n'y a plus de recours juridique possible. C'est fou. Mais trouvez-moi un outil réglementaire qui puisse nous permettre de dire vous arrêtez de construire. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pour la direction de l'entreprise que nous avons contactée, ce sera aux clients de faire leur choix. Celui de s'installer sur ce bout de Côte d'Azur si convoité, quitte à surveiller le ciel chaque automne, comme 1 million de Français installés en zone inondable. Florence Lussmann, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de la Fédération française des assurances. Comment vous réagissez à ce reportage ? Écoutez, moi je voudrais d'abord dire que j'étais là le 7 octobre, ouais. Juste après le passage de la tempête Alex. Comme à chaque fois, je dirais, les assureurs sont à côté des sinistrés. Et avant de parler effectivement peut-être du déni ou de la fin de votre reportage, moi je voudrais quand même revenir sur des comportements admirables de courage des sinistrés. Je pense à ce monsieur à Tende, qui a perdu toute sa maison, qui a été emporté par les flots, ses photos de famille, etc. Et qui me dit avec son accent chantant, mais vous savez, en fait... Tout ça, c'est du dommage. Moi, je suis encore en vie. C'est ça qui est le plus important. Mais en tant qu'assureur, comment vous réagissez justement à ceux qui sont dans le déni, qui disent « je reste, c'est ma maison, quoi qu'il advienne ». Il risque de coûter plus cher, d'une certaine façon, à la communauté. Oui, bien sûr. Mais vous savez, tout ça, c'est très psychologique. Ces gens, après une catastrophe, ils sont dans un état de stress intense. Et moi, je les comprends. Enfin, c'est toute leur vie qui était là. Mais donc qu'est-ce on que vous pas dites leur dire. Est-ce Parce que vous je avez... dis, c'est qu'il faut prévenir. C'est-à-dire que c'est avant la catastrophe qu'il faut les convaincre de la dangerosité. Je veux dire, ils peuvent perdre des vies. Hein. Au début de votre reportage, on voit bien, il y a cette jeune femme qui dit « c'est parce que j'ai bien réagi, j'ai pu évacuer tout le monde ». Mais comment vous réagissez à ceux qui vous disent « je ne partirai pas de ma maison, sachant qu'on est dans une maison à risque ». Est-ce que d'abord, c'est quelque chose que vous constatez, vous ? Oui, bien entendu, il y a des remontées. Et puis le risque in fine, parce que ce n'est pas obligatoire d'assurer. Hein. C'est prévu aussi dans le régime de catastrophe naturelle. C'est-à-dire que quand on est dans des zones rouge, l'assureur n'a pas l'obligation de donner cette garantie de catastrophe naturelle. Donc la position de l'assureur, ce n'est pas forcément de l'assurer. C'est pas forcément de l'assurer. Le préfet aussi a des pouvoirs, c'est-à-dire que quand les gens sont dans ces zones à risque ou qui deviennent classés à risque, parce qu'il y a deux choses. Il y a ceux qui voudraient construire et s'implanter dans une zone qui est complètement risquée, donc là, évidemment, ce n'est pas possible. Mais il y a ceux, comme la personne que vous interviewez, qui sont là depuis des années et qui ne comprennent pas que tout à coup, un jour, on leur dise « ah ben non, maintenant, c'est trop dangereux ». Et cela, le préfet peut les obliger à faire un certain nombre de travaux pour mettre en sécurité, si c'est possible. On a des obligations pour les collectivités locales de faire des plans de prévention, etc. Et il faudrait qu'il y ait des contrôles pour s'assurer qu'effectivement tous ces plans sont bien réalisés et qu'on anticipe. Il ne faut pas attendre la catastrophe pour se dire « oui, mais alors là, les gens, ils sont dans des zones qui sont inondables ou qui vont être dévastées ». Donc il y a des outils, on ne les utilise pas encore suffisamment. La prévention, on sait que ça marche, nous on y croit. Et donc on peut aider effectivement à cette prise de conscience. Ça veut dire que vous pourriez mieux, plus récompenser les bons élèves et moins récompenser les mauvais élèves à l'avenir ? Oui, et d'ailleurs, nous ce qu'on souhaiterait, c'est pouvoir mieux adapter les franchises, puisque vous savez, quand vous avez un sinistre, il y a une franchise qui reste, c'est-à-dire les qui reste à votre charge. Eh bien, on voudrait par exemple que les franchises puissent être moins importantes pour les particuliers ou les artisans commerçants qui n'y peuvent rien. Si pas, c'est pas de leur faute s'il n'y a pas eu un plan de prévention dans leur commune. Ils y sont pour rien. Par contre, peut-être peser un peu plus sur les collectivités locales qui n'ont pas mis en œuvre ces plans de prévention ou sur les grandes entreprises qui ont les moyens de les financer. Vous voyez, donc, être plus proche de la responsabilité. Malgré tout, est-ce que aujourd'hui, vous n'avez pas le sentiment que certains ne prennent pas conscience totalement du danger ? Alors oui, certainement. Alors nous, évidemment, les assureurs, précisément, comme on est aux premières loges,
Ça fait longtemps qu'on sait qu'on a un phénomène à la fois d'accélération des fréquences. Il y a des gros événements naturels, il y en a de plus en plus et de plus en plus graves. Juste un chiffre, hein, au cours des 40 dernières années, le coût de ces catastrophes naturelles a été multiplié par 3. Mmh. Si on se projette sur les 20 prochaines années, hein, dans 20 ans, eh ben ce coût il va encore être multiplié par 2. Justement, donc ça, c'est vraiment c'est la réalité. Et il faut qu'il y ait une vraie prise de conscience de l'ensemble de nos concitoyens. Quelle est la facture de toutes ces catastrophes? Sur les Alpes-Maritimes, là, on va être aux alentours de 224 millions. Pour environ 12 000 sinistres qui ont été déclarés. Aujourd'hui, est-ce que les assurances ont budgété une catastrophe de grande ampleur comme celle-là chaque année? Alors, les catastrophes, elles sont prévues, en fait. C'est ce que nous dit Météo France. Hein. Oui, l'assurance privée ne peut pas assurer seule ce type de catastrophe. C'est bien pour ça qu'en France, on a mis en place ce régime qui est un partenariat public-privé dans lequel il y a un partage de sorts entre l'État et les assureurs. Vous voulez dire que dans ce qu'on paye, il n'est pas totalement prévu qu'il y ait une catastrophe chaque année? Non, mais ça n'est pas totalement budgété. On adapte le régime et in fine, de toute façon, il y a une garantie de l'État. Dans les très grandes catastrophes, je dirais dans la pandémie hein, qu'on est en train de vivre également, vous savez, ce type de phénomène, eh bien, il n'y a que l'État qui peut les couvrir in fine. Merci Florence Lussmann d'être venue jusqu'à nous. Merci à vous. Alors on vient de le voir, les conséquences du dérèglement climatique sont toujours plus lourdes pour nos finances publiques, mais aussi pour celles des assurances. La tempête Irma a été la plus dévastatrice pour les côtes françaises et en l'occurrence pour celle de Saint-Martin dans les Antilles. On est retourné là-bas pour tenter de comprendre pourquoi les fonds débloqués n'avaient pas permis d'achever la reconstruction. Certains pointent du doigt des malfaçons, une mauvaise organisation, ou encore de possibles escroqueries. C'est une enquête de Nathalie Sapena, Valérie Lucas et Bruno Marouani. Une tour de 20 étages, dressée comme un défi aux cyclones des Caraïbes. Nous sommes sur la partie hollandaise de l'île de Saint-Martin. Les dégâts d'Irma, l'ouragan le plus destructeur du siècle, ont été effacés. Alors imaginez-vous, vous êtes parisien ou new-yorkais, et vous arrivez là, et je vous ai vendu cet appartement-là. Franck Teboul est un promoteur immobilier français. Donc là on a vu sur les trois îles qui sont voisines avec Saint-Barth, qu'on ne peut pas voir qui est derrière le Morne là-bas, mais ces trois îles-là c'est les îles hollandaises aussi. Une des plus belles plages de Saint-Martin qui s'appelle Mulette Bay, magique. Juste après Irma, il s'est lancé dans le plus ambitieux chantier de sa vie. Construire les deux plus hautes tours de Saint-Martin. Au départ, c'est sûr que quand on a commencé à faire cette tour-là, on s'est dit, après Irma, comment on va expliquer aux gens, en sachant que l'hôtel qui est en face était démoli, l'immeuble qui est derrière aussi, qui est une tour, était démoli. Donc c'était compliqué de faire de la vente. Aujourd'hui, malgré le Covid, malgré Irma, malgré tous les risques qu'on a pris, ben, on a réussi à vendre 75% du projet aujourd'hui. Un appartement comme celui-ci vient de se vendre 500 000 euros. Il sera loué à la semaine à des touristes nord-américains. Est-ce que ça, ce serait possible en France? Si vraiment on aurait travaillé normalement, que les lois autorisaient ce genre de produits en partie française, oui, il aurait fallu un an pour avoir un permis pareil. De l'autre côté de la baie, dans la partie française, la reconstruction, c'est une toute autre histoire. Là, les stigmates d'Irma sautent aux yeux. Des débris, des toitures toujours pas réparées, des bâtiments abandonnés et d'autres en plein travaux. Depuis ce funeste 6 septembre 2017, quand cet ouragan, vaste comme la moitié de la France, s'est déchaîné sur Saint-Martin pendant 6 heures, laissant l'île comme bombardée. Surtout quand tout nous tombait sur la tête, moi je me suis mis au-dessus d'elle pour la protéger. On a une bonne étoile, on s'en est sorti vivant, voilà. 11 morts, plus d'eau, plus d'électricité, plus de communication. L'administration à terre. 20% des habitants sont évacués. Ce que je souhaite, en lien avec le président Gibbs, c'est que nous puissions construire une île de Saint-Martin exemplaire. Et que cette île soit le modèle de ce qu'on peut faire ici. Et ici,
comme étant la vitrine de l'excellence française. Merci à vous. Devant l'ampleur de la catastrophe, l'État débloque près de 500 millions d'euros, les assurances 2 milliards. Dans l'urgence, la reconstruction est lancée tambour battant. 3 ans et demi après, le réseau électrique a été enterré. Des résidences ont retrouvé leur lustre. Et ces HLM, des toits-terrasses. Mais ailleurs, nombre de chantiers se sont enlisés. Comment expliquer qu'aujourd'hui, certains habitants n'ont toujours pas de maison ? L'argent des assurances a-t-il été correctement utilisé ? Des escrocs auraient-ils profité de la manne déversée sur l'île meurtrie ? À Saint-Martin, le cauchemar Irma n'en finit pas. Sandy Ground est le quartier le plus pauvre de l'île et le moins reconstruit. Entre mer et lagune, environ 4000 personnes vivent sur une bande de sable très exposée au risque de submersion. Jeremy Watt a grandi ici. Son quartier a toujours été de briques et de brocs. Mais depuis Irma, le sentiment d'abandon y est plus fort que jamais. Son ami Jérôme vit désormais avec une vue plongeante sur une épave. La nuit d'Irma, il était claquemuré chez lui quand il entend le deux-mâts éventrer la maison d'en face, heureusement vide. T'imagines si c'était ta maison, 3 ans après, tu peux même plus t'es sans logement. Rentrer chez toi. Sans logement. En ce moment de Covid encore, tu dois aller chercher un loyer à payer parce que tu ne peux pas construire ta maison. Les maisons en face, tout ça, il y avait des gens qui vivaient là-dedans. Ouais. Alors aujourd'hui, on a beaucoup plus de maisons abandonnées. Les habitants n'ont pas les moyens de reconstruire, car ici, personne n'est assuré. Les risques sont trop grands pour les assurances et les contrats trop chers. Seules les fresques murales viennent égayer le quotidien. Ouais, tout ça, c'est les routes qu'on a essayé d'embellir et tout. À Sandy Ground, on vit encore sous des bâches. Dominique a construit cette maison de ses mains il y a 30 ans. Depuis Irma, elle est insalubre. Il a dû rapatrier toute sa famille dans une pièce à l'étage du dessous. Non, je n'habite plus, ma mère n'habite plus. Elle est obligée d'habiter avec moi. Je n'ai pas de vie privée. Et dans mon salon, parce qu'il y a certaines chambres en bas, ça coule, on ne peut pas habiter. On se met où l'eau ne mouille pas, quoi. Et on fait avec, puisqu'à un certain moment, je ne pourrais plus. Ah, c'est ça, la vie de tous les jours, des gens qui n'ont pas de toiture, quoi. Il n'a touché aucune aide, aucune indemnisation pour retaper la maison familiale. Reconstruire son toit lui coûterait environ 15 000 euros, qu'il est incapable de payer. À l'autre bout de l'île, voici un quartier pimpant, apprécié des touristes. Ici, les habitants étaient tous assurés. Alors, allons voir. L'assurance a versé l'argent, les travaux ont été engagés. Il y en a partout. Mais Yann et Nadine n'ont toujours pas de toit pour autant. Ça fait 2 mois qu'on est parti. Je pensais que tout allait être fini. C'est encore l'apocalypse de la reconstruction. C'est encore l'apocalypse. C'est quoi ce bordel? Les commerçants reviennent chez eux après 2 mois en métropole. Franchement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit encore dans cet état-là. Mon Dieu. Ouais. Irma à 6 heures, reconstruction 3 ans. Et c'est... Et c'est pas fini. Ça fait déjà plus de 3 ans. Ouais. Il y a 7 ans, ils avaient décidé de s'installer au paradis, avec une vue somptueuse sur la baie orientale et l'île de Saint-Barthélemy.
Voilà à quoi ressemblait la résidence Alizéa quand ils ont acheté. La plaquette vendait du rêve pour cet ancien hôtel construit dans les années 90 et transformé ensuite en habitation. L'assurance a évalué les dégâts d'Irma à 3 millions d'euros. Les toitures se sont presque toutes envolées. Sur la centaine de logements que compte la résidence, il y a celui de leurs voisins d'infortune, Karine et Jérémy. Leur copropriété est un cas d'école. Les deux tiers de l'argent de l'assurance ont été versés à une entreprise du BTP qui n'a jamais terminé le chantier. Donc il y a 2 millions qui ont été dépensés sur les 3 millions pour de la démolition, parce que là on ne peut pas dire que ça a été reconstruit, c'est à l'état encore de délabre. Et je sais qu'il reste moins d'un million sur les comptes aujourd'hui pour pouvoir finir ce qui reste au niveau des travaux. L'entreprise en question est une PME bien connue des Saint-Martinois, aujourd'hui en liquidation judiciaire, d'Aile de Verre. Ils ont fait plus de la démolition, qui ne coûte rien, avec de la manœuvre pas qualifiée du tout. Donc ils ont tout cassé en rendant encore plus cette copro plus sinistrée qu'elle n'était avant. Pourquoi les ouvriers ont-ils quitté le chantier du jour au lendemain? L'argent qui reste suffira-t-il pour remettre en état la résidence? Cette question taraude également les habitants du Yacht Club. Un immeuble construit il y a 50 ans, les pieds dans l'eau. Ici aussi, l'entreprise d'Aile de Verre a été chargée des travaux de reconstruction. Ici aussi, elle ne les a jamais achevés. Elle a abandonné un bâtiment, certes déjà mal entretenu avant Irma, au bord de l'arrêté de péril. John Golden, un Australien qui possède un studio au rez-de-chaussée, a vu comment les ouvriers de Aile de Verre travaillaient. Une catastrophe, selon lui, qui les a photographiés en action. Je ne suis pas du bâtiment, mais je suis ingénieur. Et je comprends très bien comment ça marche, les travaux. Aile de Verre a eu le contrat et ils ont fait un boulot vraiment épouvantable. Les ouvriers ont bossé trop vite. Ils mélangeaient le sable à même la terre avec des pelles. Ils n'avaient même pas un mélangeur électrique. Ils ont transporté le béton dans des seaux et l'ont versé dans des récipients qu'ils ont fait eux-mêmes, sans le compacter, sans le tasser. Ils l'ont juste fait couler. Vous voyez les gros trous qu'ils ont faits? Ils ont vraiment été très très vite. Pour cacher les malfaçons, ils ont badigeonné les piliers. Pour John, la crise qui régnait après Irma ne suffit pas à expliquer la situation. Je pense que l'entreprise a été montée pour arnaquer les habitants de l'île. Et je ne suis pas le seul à le penser. C'était une escroquerie délibérée. L'entreprise a-t-elle été dépassée par l'ampleur des travaux? Ou comme le dit John, a-t-elle volontairement profité du chaos? Dans cet immeuble, les copropriétaires sont en guerre les uns contre les autres et contre leur syndic. Personne n'a déposé plainte contre Aile de Verre. Avec Alizéa et le Yacht Club, c'est une quinzaine de copropriétés qui ont signé avec eux. Car à Saint-Martin, Aile de Verre est un nom familier. Cette PME locale de construction a pignon sur rue depuis 1947. Juste après Irma, elle est rachetée par un jeune entrepreneur canadien, Mario Di Palma. En 2012, il avait déjà tenté de s'implanter avec un projet pharaonique pour le front de mer, qui n'a jamais vu le jour. Quelques jours après le cyclone, l'homme d'affaires revient sur l'île dévastée. Mario Di Palma est un affairiste nord-américain, agressif dans le business, qui arrive sur un territoire où on a peut-être un péché un peu par naïveté ou par... souhait de faire face à la crise économique du moment. Donc c'était facile d'arriver ici, de faire des promesses de rachat de parts, de créer des sociétés, etc.
Avec le nom d'Aile de Verre comme étendard, Mario Di Palma rassure les Saint-Martinois. Et ses ouvriers au t-shirt rouge se déploient sur l'île. Pas toujours formés au métier du bâtiment. Là, j'ai pas de choix, il n'y a plus de cuisine, il n'y a plus rien à faire. Alors, nous, on est les jeunes, on veut travailler, on ne veut pas rester là sans rien faire. Premièrement, tout le monde était solidaire. Et moi, j'y croyais à fond. Ouais, je suis dans une entreprise, on est une famille, on va tous y aller main dans la main. Katia Valentini était la responsable des ressources humaines de Aile de Verre. Elle a recruté à tour de bras plus de 100 salariés en quelques mois. Il fallait des gens sur les chantiers, et donc on faisait avec ce qu'on avait. Les gens au moins qui étaient disposés à apprendre. Mais il aurait fallu qu'ils soient bien encadrés. Il aurait fallu qu'ils soient bien encadrés. Le problème, c'est que les encadrants, c'était du grand n'importe quoi. Un conducteur de travaux, donc il l'a fait venir du Canada, un pote à lui, il était joaillier. On ne peut pas nier que l'entreprise d'Aile de Verre est passée de 6 salariés ou 5 salariés jusqu'à plus de 100 salariés. Donc, même nous, maîtres d'œuvre, on se méfiait, oui, puis en même temps, on était quand même impressionnés par ça. Une faculté à répondre au tout, une faculté à vouloir se développer, à racheter une autre filiale, une petite entreprise qui avait pignon sur rue, on apprenait qu'elle était rachetée, etc. Faut pas oublier qu'on nous mettait aussi la pression pour que ça se passe vite, parce qu'on pouvait, comme on n'a pas de base arrière, il n'y avait pas de solution de relogement pour les gens, donc il fallait que ça aille vite. Il y a eu une énorme pression qui a été mise sur les mois de septembre, octobre, novembre. Il est arrivé comme un messie. Aile de Verre réussit à convaincre une quinzaine de copropriétés. Elles ont du cash, les assurances ont débloqué les fonds rapidement. Ils avaient des chèques de banque sur le bureau avec des millions. Ils étaient tout contents de prendre des 50% d'un compte. Je leur disais, mais vous savez que là, on a un truc de malade à faire. Il y a une île à reconstruire. On peut gagner de l'argent en étant correct. Il n'y a pas besoin de faire des entourloupes. Et donc, j'ai pas compris le motif d'entuber les gens. Parce qu'il n'y avait pas besoin. Katia estime que les dirigeants de Aile de Verre, qu'elle poursuit pour harcèlement moral, auraient été grisés par les énormes montants avancés par les clients. Alors, où est passé l'argent? Olivier Barny a son idée sur la question. Cet entrepreneur en BTP s'était associé avec Mario Di Palma après Irma. Il espérait développer sa petite entreprise pour répondre aux besoins de l'île. Un petit dossier qui nous attend. Il porte plainte aujourd'hui pour escroquerie. Il dit avoir été alerté à l'époque par des virements suspects depuis les comptes de son entreprise Omnigate Construction vers une société canadienne au nom similaire. Nous avons là 3 bordereaux d'instructions de virements internationaux au bénéfice d'une société Omnigate Logistique Inc. avec des comptes au Canada pour assurer des factures dont M. Barny n'a absolument pas connaissance pour des montants quand même coquets puisqu'il y en a pour près de 200 000 euros sur 3 virements. Olivier Barny affirme avoir interrogé son associé Mario Di Palma qui aurait esquivé. Première question, je lui dis, tiens, il y a un virement qui est parti de 100 000 euros, c'est quoi ? Non, t'inquiète pas. Il jonglait entre notre entreprise et l'entreprise du groupe d'Aile de Verre, et puis en fait, il prenait l'argent pour aller faire d'autres choses. Donc il a acquis un hôtel en Sarcelles, il a fait des promesses d'achat de biens immobiliers un petit peu partout, il a acquis une agence immobilière, il a une société à Saint-Barth dans laquelle il envoie l'argent pour faire autre chose. Il a monté une société de location de bateaux, et ainsi de suite. En fait, ça a été financé par l'argent de la reconstruction. Le préjudice pour son entreprise aurait été énorme, selon lui. Au sein d'Omnigate Construction, c'est 2 millions d'euros. 2 millions d'euros. Ouais. Les accusations sont graves. Mais à l'époque, sa plainte avait été classée sans suite. Selon des sources judiciaires, l'enquête n'avait pas été poussée. Aujourd'hui, l'avocat relance la procédure. Le dossier, a priori, se réveille, va sortir de l'anonymat et je ne désespère pas qu'on puisse enfin être interrogé par des gendarmes pour savoir
pourquoi est-ce qu'on dépose plainte contre ce monsieur, quoi. Et puis pour qu'il nous dise un petit peu ce qu'il a fait et pourquoi et comment il l'a fait. Où est passé cet argent? À quel titre est-ce que c'est... autant d'argent est parti à l'étranger? Les attaques contre Mario Di Palma se font de plus en plus insistantes. Sans doute la raison pour laquelle l'homme discret a accepté de nous parler. Car nous l'avons retrouvé à quelques kilomètres dans la partie hollandaise de l'île. Il ne se cache pas, il vient même d'y ouvrir un restaurant. Avant l'entretien, il exige un engagement écrit. Nous ne devons pas citer le nom de son établissement, pas question de faire fuir les clients. Voici l'homme d'affaires de 40 ans. Sûr de lui et charmeur. Dans cette affaire, il se considère comme la victime d'une île liguée contre lui, le Canadien. Est-ce que vous vous êtes enrichi? Non, aujourd'hui, si je prends tout, non, je ne me suis pas enrichi du tout. Je ne me suis pas enrichi en argent et je me suis appauvri énormément personnellement. C'est-à-dire? Moralement. Les gens ici ont une méchanceté extraordinaire. On m'a mis des bâtons dans les roues, on m'a bloqué, on a bloqué tous les chantiers. On a égorgé l'entreprise. Et donc j'ai compris très très rapidement qu'on aurait des problèmes à court terme, pas à long terme. On a réussi à travailler pendant 8 mois sans être payé. Mais vous aviez les avances de démarrage. Oui, mais les avances de démarrage, on va donner un exemple. Admettons qu'on a collecté 3 millions d'avances de démarrage. Les billets d'avion pour tous les étrangers qui viennent. Le 2 000 par mois de 186 employés, 400 000 par mois. Ça fait 4,8 millions en une année. On devait payer 50 000 par mois d'appartements pour les ouvriers. Ces ouvriers-là devaient travailler. Et ce qui est drôle, c'est que souvent, les ouvriers demeuraient dans la copropriété où on travaillait. Donc, tu avais des copropriétaires qui se graissaient bien les pattes. Ils louaient leur appartement au double du prix à nos sociétés pour mettre les ouvriers. On avait, je sais pas, une trentaine de voitures peut-être en location. C'est énormément de dépenses. Quand on le questionne sur le yacht club, sa façade délabrée, ses piliers pleins de trous, Mario Di Palma ne se démonte pas. Les piliers en béton, certains disent qu'ils sont pas bien faits. Est-ce que l'immeuble a bougé? Est-ce que l'immeuble est tombé? Est-ce que... Ici, il y a beaucoup de professionnels sur cette île-là. Vous ne craignez pas que cet immeuble, par exemple, qui a un arrêté de péril... Moi, je croyais honnêtement que cet immeuble-là aurait eu un arrêt de péril bien avant. Cet immeuble-là, c'est un immeuble qui était endommagé depuis toujours. Nous, on nous a demandé de construire avec des plans. C'est ce qu'on fait. C'est pas nous qui choisissons la méthode de construire. C'est un maître d'œuvre. C'est comme ça que ça fonctionne, la construction ici. Yacht Club nous a pas payé le dernier 200 000. Et avait encore 200 000 de travaux à faire qu'ils devaient nous payer. Aujourd'hui, le Yacht Club, ils ont 400 000 dans leur compte bancaire. Et il leur reste peut-être 150 000 de travaux à faire. Qui a gagné de l'argent? Le calcul est facile à faire. Et à Alizea, par exemple, les travaux n'ont pas du tout été faits au début. Alizea, il y a eu un problème parce qu'on a encore arrêté de nous payer une fois. Aujourd'hui, les gens ont arrêté de nous payer. Au bout de 3 mois, je pense, ou 4 mois de non-paiement, l'entreprise, elle a arrêté de travailler. Est-ce que là, il n'y a pas un problème d'éthique à laisser les copropriétaires sans toit? Je suis d'accord. Si vous voulez parler d'éthique, est-ce qu'on peut faire travailler des gens sans les payer? Est-ce que c'est pas une éthique en France, ça? Est-ce que moi, je fais travailler les employés sans pouvoir les payer? Est-ce que je fais travailler des sous-traitants que je peux pas payer? C'est arrivé, il y en a qui n'ont pas été payés. Parce qu'on n'avait plus de paiement de notre part des copropriétés. Quant aux accusations d'escroquerie de son ancien associé, il les dément fermement. Mario Di Palma veut désormais se défendre en justice. Il assure posséder des documents qui incrimineraient ses détracteurs. Face à cet imbroglio, comment réagissent les autorités? À la tête de la collectivité depuis 2017, l'homme fort de l'île, Daniel Gibbs, considère que ces conflits ne le regardent pas. Les problèmes des particuliers par rapport à leur reconstruction et par rapport à leur dossier, ça c'est du privé. La reconstruction du privé, c'est la reconstruction du privé. Je vous ai dit, s'il y a des entrepreneurs ou des entreprises qui ont fait des fautes, eh bien, ils assumeront leur erreur auprès de la justice. Après, moi, je m'occupe de la reconstruction publique en termes des marchés que nous passons. Et voilà. D'ici peu, les tribunaux vont avoir fort à faire.
À la fin du mois, Daniel Gibbs comparaîtra pour favoritisme. Une affaire d'appel d'offres juste après Irma. De leur côté, les copropriétaires se mettent en ordre de bataille. Ils ont créé un collectif d'une dizaine de résidences. Mais nous avons revu notre angle d'attaque. Ils ont pris un avocat. Un autre chantier immense les attend. Juridique cette fois.